Il a même pas une. Attends, je sais plus. Est-ce qu'il a une crête aussi, je crois? Pas une crête, une. Non, c'est pas Eren, c'est l'autre là. Ah, le blond là. Non, pas le blond. C'est le blond, le mec qui fait le ménage, j'ai oublié son nom là. Il fait le ménage. Mais si. Mais t'as regardé SNK en plus. Ouais, mais pas tout. Comment ça, pas j'ai vu les deux saisons et la moitié de la troisième. Mais gros, t'as coupé. Mais je suis en train de regarder là. J'ai commencé il y a une semaine. Ouais, du coup, allez, on va arrêter de parler de ce genre de. Donc là, on a Lucina versus Smash. Oui, d'ailleurs. Oui. Donc versus Lucina, Samus. En soi, c'est vrai. Un match-up où en fait, on va, voilà, on va avoir un perso qui va essayer absolument de garder Lucina à distance. Et à côté, on va avoir par contre quelqu'un qui va vouloir réussir à passer outre ses grands pour jouer. Et après, faire jouer sa portée. Largement. Voilà, oui. Pour l'instant, ça continue. Là, on a un bon avantage de Mushroom. Mushroom qui a l'air énervé. Il a dit il va commencer un peu à tryhard, il va essayer. Voilà, Mushroom, c'est. Le problème, c'est pas est-ce qu'il connaît le match ou pas, c'est est-ce qu'il a envie de jouer. Quel mois il a envie de jouer. Voilà, on a. Est-ce qu'il a pas la flemme aujourd'hui? On a un croc qui a, ouais, qui a un peu de mal, mais là il se rattrape, il fait des belles conversions, il garde Mushroom en désavantage. La box qui va presque tuer, attention. Ah, c'est dommage. Ouais, on a essayé de garder neutral B pour se rapprocher avec le petit drift. Peut-être qu'on l'a gardé un peu trop long. Peut-être qu'on l'a gardé un peu. Non, ce qui n'est pas la bonne option, on pouvait juste drift. Ouais, c'est un peu dommage. Un petit peu dommage en effet. Parce que pour le coup, là, on se prend tout simplement une petite sauce. Bien ça, dommage. Le Beato fixe en très très vite. Hein. Des bons dégâts, mais c'est punissable. Mushroom qui revient un peu agressif. Ouais, Dr. Croc qui est toujours assez. Je trouve qu'il est vraiment très on point sur ses mécaniques, mais par contre, en fait, il se prend vraiment trop de bêtises en fait de la part de Mushroom. Par contre, le double UB. Il s'est dit que le neutral B de Mushroom allait arriver. Et en fait, il a l'instabilité frame 4 ou 5 au sol. Exactement. Donc il s'est dit, je vais tenter. De 1, ça le tue. De 2, j'évite ou je tiens de l'instabilité. C'était bon pari. Exactement. Après là c'était plus un miss de Wish Punish de la part Mushroom. Mais bon. Oh punaise, le bon bait, dommage ça n'a pas été fini, on s'attendait à un spread. On a tapé un shield. Ça a pas toutes les qualités, on va pas trouver de. On essaie de garder la meuf. Ah la Samus, on n'arrive pas à garder un désavantage. Samus en juggle c'est pas fou, hein. Ça a beau se mettre en petite petite boule là quand elle fait son down B. Le problème c'est que Lucina elle s'en fout, elle a une épée qui passe tout. Voilà. Et là, là on a un croc qui avec une seule ou deux phases, là il peut rendre cette game even, mais bon, là, beaucoup de choses tuent. Hein. Samus qui a beaucoup c'est de kills. Énorme. C'est un énorme petit en bien, effet. Bien, très bon nerf dans les smash. C'est un énorme petit en effet qui aurait pu aller chercher les stocks, on va pouvoir remonter. Il évite le smash. C'est dommage, peut-être on a tenté un peu le diable. Ouais, on a voulu parier sur une mauvaise approche de Mushroom, mais il n'en est rien. Ouais, le problème c'est ça en fait, il joue pas vraiment en réaction, il a plus tenté de rider une approche un peu bizarre pour un des films qui depuis tout à l'heure joue beaucoup au projet, etc. C'est pas le plus. Il prend beaucoup de paris en fait, c'est vraiment, il tente beaucoup de choses. Okay. Bon, là, situation de l'Estrap, Lucina c'est extrêmement fort à l'Estrap et en Edgeguard. Bon, on va rester à l'Estrap en magie. On a tenté le Trump. Bien, Backspro normalement. Il lâche pas, il le sait. Pas, il s'en fout. Il sait qu'il marche pas. Enfin, bon, en tout cas. Il y a deux choses. Soit il aime. En fait, Crow il aime bien aussi quand les gens redisent grab et en fait il se met dans une position qui est un peu mauvaise pour toi parce qu'il est juste devant lui, dans les airs avec un seul saut. Et lui il a une épée et. Bon, il est plutôt pas mal. Mais à côté t'as un Mushroom qui aime pas Mash, il s'en fout. Lui il joue au jeu, il joue pas à Mash, il joue pas à SDI, il s'en fout ça. Hein. Il joue à Smash Ultimate. C'est ça. Ok. Crow qui a rendu en effet, comme t'as dit, la game even au final. Ça, il n'y a pas eu d'une phase. Hein. Et là, parce que. Bah là, encore une fois, regardez, le strap, hein, c'est. Travailler à l'entraînement, tout ça, monsieur dame. Ouf. Ah, dommage ça. La bellerie, ça tue pas. Par contre, le fer, oui, voilà. Deuxième, on a plus de saut, on a sauté au-dessus du ledge, et là, bon, bah, dommage. Là, bah oui, là, c'était. 1-0 pour Dr. Pro. Yes. Bien joué à lui. On rappelle qu'on est en BO5, ça veut dire encore deux games pour aller récupérer la victoire face aux joueurs de la team Ovi. Et Dr. Pro qui, avec cette Lucina, va très certainement. Garder le personnage encore très très longtemps. Je n'ai pas de raison pour qu'il en soit autrement. Mais franchement, en fait, c'est pas la map qui a été un problème là. C'était un Mushroom qui avait un peu un problème aux avantages. Il a bourré, tu vois. Il a voulu revenir agressivement. T'as un croc qui s'est adapté. Premier stock, il s'est un peu fait boxer. Et puis il a compris qu'en fait, il fallait vraiment prendre son temps pour approcher une Samus. En fait, t'as peur de Samus, que tu dis. Elle a des projos, des grosses hitbox, donc tu veux te rapprocher.
problème c'est qu'elle est très forte en tir, très forte pour te garder la distance. En fait, il faut réussir à trouver l'approche et une fois que c'est fait, là tu peux jouer en deux. Attention là, voilà. Vraiment beaucoup comment Crow il se déplace. Oui, ça, il arrive vraiment. En fait, il utilise le side B aussi pour casser son momentum, le changer, etc. Et aussi pour éviter les down B de Mushroom. Par contre, dommage, on a essayé en fait d'avoir tout frame, puis il a vu qu'il avait bougé, il s'est dit je vais tenter une de read, soit une normal get up, soit un saut. Malheureusement, c'était un bon choix de la part de Mushroom de roll. Le pari. Le pari c'est quoi ça? Le Zer qui a ramené sur le stage. Ça aurait pu être très problématique pour Mushroom. Tilt, on va pas pouvoir tuer là-dessus, évidemment, il n'y a pas assez de pourcentage. Bah, c'est Backer, le server spot. Là on meurt de beaucoup de choses hein, de la part des deux joueurs. Un backer de Mushroom tuera Crow, un backer de Crow tuera Mushroom. Vient le nerf, très bien vu. Ça c'était bien vu. Le nerf en face fall, on cover quand s'appelle cette truc un peu agressif encore une fois. En effet, pour le coup Crow qui se met plutôt bien, qui se met plutôt bien dans cette game, il a une bonne avance. Et Mushroom qui malheureusement va devoir trouver une solution pour récupérer ça, peut-être sur cette dash attack. Encore le cas. Et là, c'était dangereux. Heureusement qu'il a fait un saut vertical parce que vraiment il s'approchait juste d'un pixel, c'était bon. Il perdait la stock. Mais là, Mushroom il a l'air d'être impatient. En fait, il essaye de trouver ce qu'il doit. Regarde, tu vois. Enfin, si, de 1, c'est un peu des options mais risquées. Et de 2, il a pas de réussite. Là, ce smash qui clanque avec je crois, un F-tip ou un jab, c'est pas de chance. Et là, bah, par contre, on a une stock entière d'avance. Une situation de dégâts très bonne pour notre ami. Attention, oh dommage. Un saut backer, ça aurait été beaucoup mieux. Oh, pas de stock qui ne tue pas. Cette fois, on entend. Ah, dommage. Oh, dommage, je le perds. Le B, il a pas touché. C'est non. Il est pas allé assez haut, finalement. Donc là on a un Mushroom qui vient de se faire toucher par un Shieldbreaker de Lucina. Très bien. Oh là 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 là. Non. Oh là là, on a faim. Du côté de Mushroom on a vraiment la dalle. Mushroom, on sait qu'il aime les dernières, mais là bon il va beaucoup quoi. J'ai 3 d'un coup. Attention, ah dommage. En fait, tu vois que Mushroom aime bien Shield, donc de 1 sur Free Break, de 2. Ici, en fait, juste il touche le Shield de façon sans l'avoir déjà touché au préalable, il va empêcher Mushroom de. Parce que le Shield, car il y a soit un risque de Shield Poke, soit un Shield Break, et les deux à ce pourcentage-là sont signes de mort. Attention, Crow qui a du mal à sortir de ce corner. Ouais. Là, revient, les joueurs qui prennent vraiment beaucoup de risques, hein. De rien, attention peut-être sur sa bête, 87% sur le nerf. Attention, dommage, on a essayé d'edge guard, mais Mushroom a couvert son apport. Oh très bien vu notre Albé sur notre Aged Up. Et là, bah, encore une fois, on a un petit avantage pour Crow. Attention, back. Putain, messieurs, dames, c'est presque backer de haut. Enfin, ça tue seulement 1% plus tard. Non. Il a failli tomber dans le smash, il a fait attention très bien. Le champ qui parie qui n'arrive pas à avoir une bonne finition. C'est compliqué là, il se fait un peu mettre sur corner et c'est là où Samu c'est le problème parce que même si elle avait des grosses hitbox, Samu. Oh le gimp. Très bon gimp. Non il était mort. Et là, et lui il meurt par contre. Là c'est un peu dommage je crois. Mushroom était mort à mon avis. Oh non t'as peut-être Shield Break. Side B qui remet Mushroom au stage. Bon, là, même si on est. Voilà, ça a tout simple. Il a cherché plusieurs fois. Plusieurs fois au long des deux premières games, on a vu faire. Là, ça a marché. Ok. Très bien vu. Bah, JV2 JV2, convaincant. Un peu plus contrôlé de la part de Crow que la première game. Là, à mon avis, Crow il part bien. Bien favori. Mushroom il a l'air de s'impatienter. Il repique la même map. Il n'y a pas trop d'attente entre les games. Pour moi, il y a peu de chances que Mushroom il arrive à pour l'instant sortir, même si j'aimerais beaucoup mon confrère OVNI. PS2 une troisième fois, monsieur Dame. Le même match-up, les mêmes joueurs, la même map. On prend les mêmes et on recommence. Pourquoi changer une recette qui gagne pour Dr. Crow en tout cas? C'est ça. Dr. Crow, il doit être plus qu'heureux de rejoindre sur cette map. Ça lui a réussi deux fois. On rit de l'air dodge, c'est bien vu. Pourquoi je changerais de map hein, okay. Le side B qui vient du bout de la lame toucher Mushroom. Oh non, bon. On va peut-être tenter le tout frame, mais ça va pas pouvoir passer. Par contre, il y aura le fer de Samus. Okay, attention, le tilt était bien. Là, on est très bien, là, on a une bonne phase d'avantage. Et là, il est mort.
Non, il est encore debout. Là, il est mort. Une excellente phase d'avantage. Ouais, je crois que c'était limite un 0 to death. Très très bien vu. Le cage guard était vraiment très très bien vu. Pour tout a été bien. On a cramé les sauts, on a cramé les air dolls. C'était extrêmement bien vu. Mais là, là on est de retour en avantage. Attention. Par contre là, du haut de 626, je crois qu'il commence à pas trop faire de malin. Beata Shield, on renvoie Mushroom encore une fois au ledge. Et tu vois, c'est exactement ce que je disais la game précédente, c'est qu'en fait Mushroom il se retrouve très souvent corner et c'est là que Pro il a réussi à avoir un gros avantage. Il le garde souvent très longtemps en désavantage et c'est là que Mushroom il a du mal, il n'arrive pas à sortir. Par contre, là, quand c'est l'inverse, ça a l'air d'être le même schéma, mais inversé. Attention. Ok, le Nair qui renvoie. Là, les deux joueurs qui s'envoient tous les deux de côté de la map. Mais voilà, on arrive enfin à trouver le kill. On a 112% de retard. Pour l'instant, je crois qu'on est encore bien dans la game. Il peut tuer sur pas mal de moves. Il est plutôt bien. Attention, on va pas prendre trop grosse phase des guards. Il y a plus de saut, monsieur dame. Dommage. Oh, il y a... oh, ouais, là il fait. Oh, oh, on a vu le regrab. Bon, le fast fall qui était un peu rapide, mais belle opération. Ouais. On avait 113%, 75%. Belle opération. Très très bien vu. Il a complètement vu le regrab de Mushroom. Et tout simplement, voilà, c'était extrêmement bien vu d'aller chercher le spike là-dessus. Il a vu le regrab, il s'est dit mon coco, tu meurs. Attention, Mushroom qui recherche un. T'es mort, mon pote. Là, là on cherche des petits coups là. On va vouloir gratter et ensuite repartir sur Pima où on garde. Mais oui, ça connecte pas, mais oui. Le jab de Samus il connecte pas donc du coup. Jab Samus qui. Dans un sens c'est pas... Oh, smash, quoi c'est bien chargé hein. Bien chargé, vu, ça va pas tuer par contre. Par contre on a plus de saut il me semble. Oh, c'est... Là c'est pas tech, c'est pas tech, c'est dommage. Et du coup c'est un énorme 3-0 d'un part de Pro, très belle opération. Notre ami Dr. Pro. Incroyable.